riche ou pauvre. Qui ça la Bible dit de bagay ça? La richesse ou la pauvreté, c'est une manière que nous-mêmes les hommes nous mesurer une situation financière de un monde. Bon Dieu pas utiliser même échelle de mesure ça. Ou riche, cela veut dire que ou gagne l'argent. Ou pauvre, c'est le contraire, cela veut dire que ou pas gagne l'argent. Mais avec bon Dieu, ça pas passer comme ça. Nous avons tout le temps de l'argent. Ou pas quoi ça? Eh bien, en allant dans la Bible ensemble avec moi. Il dit dans Jean 14 verset 13: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Question pour vous. Ça fait ou pas gagner l'argent actuellement là? Gagner plusieurs raisons, mais possiblement parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'êtes pas paré pour recevoir l'argent dans le moment ça. Parce que vous n'avez pas demandé bon bagay, ça vous doit demander selon le plan bon Dieu. Alors que les gens qui ne sont pas chrétiens, ils comptent sur l'argent. Mais nous, nous croyons que nous allons recevoir autant voulu par Dieu selon sa volonté et non la nôtre. Donc, figure-nous prier pour nous riches, ni pour nous pauvres tout, mais plutôt prier pour bon Dieu combler nous de tout besoin nous gagner. Avec bon Dieu, c'est pas une question pour gagner l'argent ou bien pas gagner l'argent. Bon Dieu pas voulu pour pauvres. Bon Dieu pas voulu tout pour riches. Bon Dieu seulement besoin que vous comptez sur lui pour capable couvrir tout besoin yo. Il dit dans Matthieu 6 verset 11: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien. Non pas mon pain pour les 5 prochaines années. Dans verset ça, Jésus a parlé du pain nécessaire ou essentiel chaque jour. Besoin ou yo. Quand il y a des gens qui dit que ou jeune yon bagay avant l'heure, pas que ça dans l'autre. Ou joine ça va venir dans le ou te doué joine. En bon Dieu, c'est comme ça. En temps voulu. Yo rele ça le timing parfait de l'Éternel. L'argent, c'est pas un mauvais bagay. L'argent, c'est juste un outil que lié. C'est pas un outil pour nous capable satisfaire fierté nous, du moins ego nous gagner. Mais plutôt un outil pour capable construire la vie dans lui-même. Bon Dieu a prend soin de nous. Bon Dieu connaît exactement tout son besoin. En tant que chrétien, nous devons séparer les désirs humains et les besoins. Nous devons faire séparation ça. Les désirs humains, celles que le bras la coucher, c'est péché nous. Donc, fierté, égoïsme, etc. Les besoins, ça, lui-même, il n'a que nous. Et que nous appartient avec mon Dieu. Avec besoin, nous tous.